Surfing on the wave, and I can't stop laughing, cause I won't be a slave to yesterday's feelings. On est à la 7e édition de l'événement Dégustation Découverte organisé par la Fondation de l'Institut de Gériatrie de Montréal. Une magnifique soirée gourmande où l'on honorait deux grands bâtisseurs au Québec, Maurice Goodman et Jean Coutu. Monsieur Paquette, pourquoi avoir décidé d'accepter la présidence de cette soirée? Ben écoutez, c'est une cause formidable, celle d'aider à cette fondation de l'Institut Gériatrie de Montréal pour la recherche, pour mettre en commun toutes les forces pour aider les aînés, le mieux-être des aînés, pour la recherche, pour les maladies, mais aussi pour s'assurer que ces gens-là puissent vivre plus longtemps et vivre mieux. C'est important pour vous ce soir d'honorer M. Goodman et M. Coutu. Écoutez, quel hommage formidable d'avoir la chance ce soir d'avoir des gens qui sont là de tous les âges, mais pour honorer deux grands bâtisseurs de Québec qui, à leur façon, ont contribué à créer beaucoup d'emplois, mais à améliorer aussi la santé des Québécois, des Québécoises. Mais c'est très rare, on ne les voit plus beaucoup aussi participer à des activités. Alors, on est très privilégiés de les avoir avec nous ce soir. Monsieur Maurice, superbe soirée encore une fois. Parlez-nous un peu de cet événement-là ce soir. C'est la 7e année qu'on célèbre de cette façon. C'est notre plus grand événement pour de levée de fonds, si vous voulez. Et finalement, c'est pour supporter, aider l'excellence à l'Institut de gériatrie. Pourquoi avoir choisi le thème « La passion n'a pas d'âge » ? Parce que je pense que c'est très vrai. Hein? Je pense que il y a des gens passionnés à 15 ans, il y a des gens passionnés à 40 ans, et je connais beaucoup de gens qui sont drôlement passionnés, même si le niveau d'énergie n'est pas tout à fait au rendez-vous tout le temps, mais à 85, 90 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir que les gens pourraient découvrir qu'on fait ici de spécifique à Montréal? Bien, c'est un institut d'excellence, donc un institut universitaire en gériatrie, donc tous les soins aux personnes âgées. Donc, il y a plusieurs volets à ça. Un des gros volets où on offre des services à la population là, qui est chez elle, c'est le centre ambulatoire. Donc, on a des cliniques externes spécialisées pour plusieurs pathologies qui sont associées au vieillissement, où les gens peuvent venir consulter là, pour différents problèmes. On a aussi un gros centre de recherche sur toutes les pathologies associées au vieillissement. On a un centre de promotion de la santé qui s'appelle Avantage, où là, on transfère à la population tous les résultats des travaux de nos chercheurs, donc des conférences, des livres, des ateliers. Puis on a aussi des unités de patients hospitalisés en longue durée. Arnaud, parle-nous de cette soirée-là, dégustation, découverte. Et donc là, nous, on s'occupe, chez Atelier Saveur, d'animer la soirée au niveau nourriture et au niveau vin également. Une sommelière qui est là pour faire un accord mets vins. On a une station fondue de fromage avec également un sommelier. On a une station dessert avec un chef pâtissier. On a une station bar à tartare. Et donc à chaque fois, on a des ouvreurs d'huîtres également qui sont présents. Donc plein de stations thématiques différentes avec à chaque fois un accord mets vins. Donc ça, c'est vraiment notre spécialité d'avoir aussi bien des sommeliers, des barman que des chefs présents sur l'événement qui vont servir directement le client. Surfing on this wave. I'm surfing on this wave.